Mon petit Palawan, je te propose aujourd'hui de me suivre dans un entraînement au sac de frappe en boxe anglaise qui est pour tout le monde. Si tu es débutant, tu vas voir qu'on va y aller progressivement, tu vas réussir à suivre, mais on va aller vers quelque chose quand même d'assez élevé techniquement. Et si tu es déjà pratiquant avec un bon niveau, t'inquiète pas, tu vas voir que les premiers rounds, ça va t'aider, te permettre d'aiguiser tes lames, d'affiner ta technique et ensuite on va arriver sur un truc super sympa niveau technique qui va vraiment te challenger. Allez, avant de s'y mettre, on commence par un échauffement. C'est important de faire un échauffement articulaire. On commence la tête de gauche à droite. Je vois souvent, j'ai des élèves en cours particulier, on fait la tête de haut en bas, qui en fait font jamais ce genre de choses à part avec moi quand ils font leur cours, épaule, épaule. Et à chaque fois qu'ils le font, ils sont là, ah, ça leur fait mal et en même temps, rotation de la tête, ça leur fait du bien. Tout simplement parce que dans notre quotidien, on change de sens, on a tendance à ne pas utiliser ces articulations dans leur amplitude complète. Allez, les bras vers l'avant. Et du coup, en fait, c'est le principe un peu comme on dit en anglais, use it or lose it, c'est-à-dire que ce que tu n'utilises pas, tu le perds, l'autre sens. Et donc, parfois, même en faisant du sport et tout, tu vois, par exemple, la levée, on lève les bras de haut en bas, lever les bras au-dessus de la tête, si tu fais de la boxe anglaise, la plupart du temps, c'est pas quelque chose que tu vas te retrouver à faire, même dans ta pratique. Les poignets, ou tourner tes poignets comme ça, tu vois, l'autre sens, et donc, bah, c'est un peu comme lubrifier, huiler ces articulations, ça leur fait du bien, ça donne du mouvement, on secoue, ça prépare à l'effort, bien sûr, aussi, mais au-delà de préparer à l'effort, donc là, si tu connais pas, tu poses ta main sur le coude, on ramène la main par en dessous, on la fait ressortir au-dessus et on revient. Et donc voilà, si tu fais ça régulièrement, bah, tous les jours, hein, ça va te prendre 2 minutes en réalité. De l'autre côté, moi j'aurais même tendance à dire, après avoir eu une période un peu où on est resté immobile assez longtemps, assis, en train de travailler ou quoi, on relâche, on fait le bassin, des grands cercles, tu te lèves, t'es pas obligé de faire... la totale, mais tu peux aussi essayer de sentir, on change de sens, ou dans ton corps, bah, tu as de la tension, ou un peu de début de douleur, des choses comme ça, qui sont parfois créées par l'immobilité. Et puis, bah, tu fais tes quelques petits mouvements comme ça, les genoux, et tu verras que ça te fait un bien fou. On change de sens. Donc là, on fait, c'est vraiment l'échauffement de départ. Après, on va faire un truc plus spécifique, bien sûr, à la boxe anglaise, pieds joints. Rotation des genoux, dans l'autre sens, de haut en bas. Ok, boum, les chevilles. Donc voilà, c'est un truc moi que je trouve qui est important à faire, que je fais de facto puisque je m'entraîne tous les jours, l'autre sens, que je fais surtout encore plus quand je donnais beaucoup plus de cours que maintenant. Bah, tu le fais à chaque début de cours, donc ça te le fait faire plusieurs fois. Et je vois qu'en fait, c'est un truc, si je ne le fais pas régulièrement, dans l'autre sens, que je suis en vacances, que je m'entraîne moins, que je n'ai pas de cours à donner et tout, bah, ça a un impact négatif sur mon bien-être articulaire, on va dire, et on secoue. Ok, allez, on va commencer, on se met en garde, et on va commencer avec des esquives latérales. Donc, un côté, puis l'autre, les abdos sont engagés, t'es gainé. Juste un point de clarification sur... Quand je dis tu es gainé, ça ne veut pas dire que tu es en contraction maximale bloquée comme ça, sinon ça va nuire au mouvement. C'est juste tu es engagé, donc c'est une légère contraction qui te permet d'être plus tonique, maintenu et en même temps de réussir à bouger. Au niveau de ta position, pense à avoir une rétroversion du bassin. Donc c'est comme si tu voulais rentrer ton nombril, tu vois, et t'avachir un peu. La position de boxe anglaise, hein, il faut essayer de faire un peu la boule. Donc on va s'avachir comme ceci en rentrant le ventre. Et en arrondissant un petit peu le dos ici. Ok, on se met en position et on va aller amener son menton au-dessus d'un pied puis de l'autre. On y va, on va faire ça 50 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Ok, maintenant on passe aux rotatives.
Là, que ce soit sur les esquives qu'on vient de faire ou sur les suivantes, ton menton, ici, ta mâchoire doit rester entre tes deux mains. Okay, donc quand tu fais ça, tu ne dois pas avoir la garde qui continue et la tête qui s'arrête là. Et quand tu vas faire les rotatives, ça c'est un peu plus dur. Mais quand tu descends, idéalement, il ne faut pas que ta garde descende et puis qu'elle remonte. Il faut que ça reste collé un peu à la Mike Tyson tout le temps, à ton visage, à ton menton. Ok, on fait 50 esquives rotatives. Donc rappel très rapide sur les esquives rotatives. Tu vas fléchir un peu sur les appuis, arrondir bien le dos, descendre et tourner. Ok, on tourne du côté où on va pour préparer le compte. Donc si je vais vers la gauche, je vais reculer mon épaule gauche. Si je vais vers la droite, je vais reculer mon épaule droite et je me dirige vers la droite. Je me dirige vers la gauche, je me dirige vers la droite. Ok, on en fait 50 aussi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Ok, maintenant on va faire des allers-retours écart bloqué. Donc, tu prends ta position, une nouvelle fois tu gaines, pas de manière excessive, mais l'idée ça va être de faire des rebonds d'avant en arrière sur tes deux appuis sans que l'écart de tes jambes se modifie. D'accord ? Donc tu vas être là, tu vas rebondir, mais ça ne doit pas bouger comme ça dans tous les sens et le bassin qui tourne et tout. Tu fixes avec ton gainage ton bassin et souvent on parle de gainage, on pense que aux abdos. En réalité, on peut gainer tout son corps. Donc là, tu vas gainer tes jambes aussi pour maintenir cet écart constant. Ok ? On va en faire 20 et après on va ajouter du jab, après on va ajouter du crochet et on va faire du crochet cross aussi. Ok ? Je mettrai une petite pause entre chaque pour t'expliquer très rapidement. On commence avec les 20 allers-retours. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ok, maintenant, à chaque fois que tu avances, tu envoies un jab. Allez, 1, 2, 3, léger, 4, 5, 6, 7, toujours gainé, 8, 9, 10. Ok, là, il n'y avait pas de rotation, c'est un jab, donc on envoie sa hanche et son épaule, mais on ne tourne pas le pied en bas. Sur le crochet, on va tourner le pied. Donc là, tu vas être en dynamique et à chaque fois que tu vas avancer, tu vas mettre une rotation. Rotation du pied ici, rotation de la hanche et de l'épaule. Donc ça va faire hop et revenir. D'accord ? Tu ne dois pas rester de côté puis utiliser que ton bras. C'est boum, 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 boum. Ok ? Allez, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, maintenant, on ajoute simplement un cross en plus. Donc, je suis en garde ici. Je vais garder cette rythmique d'aller-retour comme ça, dynamique, mais je vais me fixer pour envoyer mon cross. Donc, je vais faire crochet, cross, revenir en sautant, puis recommencer crochet, cross. D'accord ? Mais je garde cette rythmique tout le temps. Si tu as du mal, commence par prendre le rythme ici. Et au moment où tu avances, tu sais que c'est le moment où il faut que tu envoies ton crochet et que tu fixes et que tu envoies ton cross. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va terminer avec un petit exercice de coordination qui vient de la corde à sauter, qui s'appelle pointe de talon. Tu vas venir toucher une fois avec ta pointe de pied, une fois avec ton talon, revenir au milieu, puis changer. D'accord ? Donc ça va être pointe de talon d'un côté, puis pointe de talon de l'autre. Si tu l'as jamais fait, ça va peut-être te faire bugger. C'est pas un exercice ultra important, mais ça travaille la coordination, donc c'est quand même intéressant. Et ça t'apprend la légèreté aussi des appuis, parce que tu vas venir juste toucher de manière très légère le sol. Ok ? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok. Donc là, tu vois, j'ai compté que les talons, que le moment où je touchais les talons. Donc l'idée, c'est vraiment ça, ça,
ça, et en haut on est relâché, souvent on va être avec la corde ici, mais ça se fait sans corde aussi, ok? Allez, c'est un échauffement très bref, mais de toute façon, tu vas voir dans la méthode que j'utilise au sac de frappe, qui est la méthode séquentielle, quelque chose, on va dire, que j'ai plus ou moins créé, en tout cas, j'avais pas vu tellement d'autres personnes vraiment faire des séances comme ça. On va y aller crescendo sur l'intensité et aussi sur la difficulté technique. Allez, on va se lancer, donc 6 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos. Pendant la minute de repos, tu peux boire et surtout tu vas écouter mes explications. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire sur le round suivant. Je lance le chrono et on commence à sautiller un petit peu. Notre première étape de la séquence de ce round-là, ça va être un jab. Ok, donc je suis en mouvement, relâché, j'envoie numéro 1 le jab. Numéro 2, je vais ajouter un jab, donc ça veut dire que je vais doubler le jab. Allez, 2. Et 3, je vais aligner mon cross, mon direct du bras arrière. 3. On double la troisième. Encore 3. Pam. On récupère, on bouge un peu, on recommence. 1. 2. Pam. 3. On se déplace. 3. Fais attention aux appels. On est relâché, on n'est pas crispé. Et 1. Respire bien. 2. 3. Encore 3. 1. On bouge son buste, hein, on n'est pas une bûche qui bouge pas. 2. L'autre main reste bien en protection. Pendant qu'on envoie, ça part du visage, ça revient au visage. 3. Encore 3. Et 1. 2. En général, c'est bien d'avancer deux fois sur tes jabs. 3. Pas forcément tout droit, parce que le sac, lui, il recule pas. Souvent, un adversaire, il va reculer, mais ça peut être en diagonale. 3. Encore 3. Je peux aussi m'amuser à changer un peu le rythme de mon enchaînement. Au lieu de faire jab, jab, cross, on peut faire jab, jab, cross, par exemple. Ok, on reprend. 1. 2. 3. Encore 3. Ouais. Et 1. Allez, on aiguise ses lames. On affine sa technique. 2. 3. 3. 1. 2. 3. On se relâche, on respire bien. 3. 1. 2. 3. 3. 1. 2. Et 3. On récupère. Allez, on boit un petit coup rapide. Ok. Alors, on va mettre une esquive avec décalage et un cross. Donc ça va te donner jab, jab, cross. Ok. De là, une esquive. Mais au lieu de faire juste l'esquive, je vais décaler en même temps et remettre un cross. Ça, on le fera en un seul temps. D'accord? Donc ça va être 4 temps. 1, 2, 3. Quand je dirai 4, tu vas faire esquive, décalage et remettre tout rapidement ton cross. Donc là, pa, 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 pa. Boum. Ok? 4 temps. Allez, on souffle un peu. On peut marcher. On vide bien le CO2. Ok, on se prépare à repartir. On reprend notre séquence du début. Numéro 1, c'est le jab. 1. 2, on double le jab. 3, j'aligne mon cross.
4, je vais décaler en faisant mon esquive et tout de suite remettre un cross. 4. On recommence une deuxième fois le 4. Boom. Je bouge. Je peux marcher, hein. Faut pas croire qu'on est tout le temps obligé de sautiller. Tu regardes Canelo par exemple, il marche souvent. 1. 2. 3. 4. Voilà, là si on peut, on essaie d'accélérer un peu sur cette esquive avec le cross. 4. Et on reprend. 1. 2. 3. 4. 4. Quatre, un, deux, trois, quatre, récupère bien, on souffle, quatre, un, deux, trois, quatre, quatre, un, allez, relâchez. On fait pas la bûche. On bouge son buste. 2. 3. 4. 4. 1. 2, 3, 4, 4, 4, et on récupère. Allez, moi j'aime bien toujours boire une petite gorgée. Ok. On va ajouter une technique, on va pas trop vite, ça reste facile à suivre pour tout le monde et en même temps qu'on puisse vraiment s'assurer qu'on maîtrise bien chaque étape de l'enchaînement. Donc là après le cross, tu vas simplement rajouter un petit crochet de l'avant à la tête. Donc ça va te faire jab, jab, cross, le retrait ici avec le décalage, un cross, un crochet. Ok, allez, on souffle bien, on vide le CO2, on se prépare à repartir, on recommence l'enchaînement depuis le début, numéro 1, le jab, numéro 2, on double le jab, toujours relâché. L'autre main qui est en protection quand on envoie son bras avant. 3, le cross. La main du jab revient bien toucher le visage en protection. 4, on décale et on met un cross. 4. Et 5. J'ajoute un crochet de l'avant après mon cross. Le bras du cross, bien sûr, revient au visage, toucher le visage. Boum. Ok. Mon crochet passe pas par en bas. Il était au visage, je viens ici. Comme si j'avais une table ici, je venais glisser sur la table. On ne descend pas son bras pour mettre son crochet. Encore 4. Enfin, 5, pardon. C'était le 5. Ok, on recommence. 1, le jab. 2, jab, jab. 3, jab, jab, cross. 4, le cross. Avec le décalage. 5, on ajoute son crochet de l'avant.
5. Et 1. 2. Je souffle bien, je reste relâché. On fait pas la bûche. 3. 4. On relâche. On peut avoir sa garde qui descend. On se relâche. 5. On est relâché. Il faut savoir garder, monter sa garde quand c'est nécessaire. 5. Mais si tu regardes les pros, il n'y en a quasiment aucun qui a sa garde en permanence. Par contre, dans l'enchaînement, oui, il faut ramener bien au visage pour se protéger. 5. Ça part du visage, ça revient au visage. Parfois, ça part pas du visage, mais ça doit toujours revenir au visage pour protéger. 1. 2. 3. 4. 5. Encore 5. Je souffle. Plus l'enchaînement est long, plus c'est fatigant, plus c'est intéressant de prendre des petits temps de repos entre les séries. 1. 2. Presque intéressant avec le séquentiel, c'est que on fait aussi des enchaînements plus courts. 3. Et on récupère. Ok. Ce que je disais avec le séquentiel, bah quand tu recommences à 1, tu envoies juste un jab, donc tu te reposes un peu quelque part, mais en restant actif, ça t'apprend aussi comment rester actif et récupérer en combat quand tu es fatigué. Il n'y a que du bon dans ce système. Alors, je regarde où j'en étais. Ok. On met un blocage du bras avant et un uppercut au corps du bras avant. Blocage du bras arrière, pardon. Donc ce blocage, c'est les blocages un peu à l'ancienne, style Frazier, Foreman, je sais plus, Norton, voilà, il y en a plein qui utilisaient ce type de blocage. Là, ok. Donc je viens rentrer ma tête, mettre mon bras comme ceci en barrage. Là, je vais me protéger des crochets. Là, je vais me protéger des directs. Il y a juste les uppercuts qui sont un petit peu plus dangereux. Donc il y en a qui le faisaient bas comme ça, mais là, on est plus à découvert. Donc je vais venir bloquer et remettre un uppercut. Allez, on travaille ça ensemble. Numéro 1, le jab. Numéro 2, jab, jab. Numéro 3, le cross. Numéro 4, je décale et je remets un cross. Numéro 5, je vais mettre mon crochet de l'avant. Numéro 6, je vais venir mettre mon blocage et remettre un uppercut au corps. Donc blocage de l'arrière, uppercut au corps du bras avant. 6. On refait le 6 tranquillement. 6. Je peux marquer un petit temps hein, quand je bloque. Hop, histoire de prendre le temps d'observer, voir s'il n'y a pas trop d'autres coups qui arrivent. Et j'envoie ensuite mon contre. On recommence. 1. 2. 3. 4. 5. 6, on met le blocage de l'arrière, l'uppercut du bras avant. 6. Récupère bien. On refait le 6. Un. 2. 3. Souffle bien. 4. 5. Part du visage, ça revient au visage. Et on fait pas la bûche, on est relâché. Tout en étant toujours un minimum gainé. Relâché, ça veut pas dire qu'on tient plus son gainage. 6. 6. Ça, la difficulté, hein. Pour comprendre le relâchement, c'est qu'il faut réussir à gainer, mais doser son gainage. 6.
Trop de gainage, on est crispé. Pas assez de gainage, on manque de vitesse, d'explosivité. Les techniques sont pas belles. Encore 6. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Et on récupère. Écoute, moi je kiffe ce genre de travail. Alors là, on utilise plus le bras avant. Comme c'est souvent le cas en boxe, la majorité des gens en plus ont leur bras faible devant. Donc c'est intéressant de le travailler plus pour le renforcer et niveler un peu la différence qu'il peut y avoir de vitesse ou de puissance entre son bras dominant et l'autre bras. Ok. Alors, de là, on va remonter en crochet de l'avant. Donc, tout simple, j'ai fait mon jab cross, j'ai décalé, j'ai remis mon cross, mon crochet, mon blocage ici de l'avant, j'ai mis un uppercut au corps, je reviens tourner mon buste, et je remets un crochet. On évite de faire ça, c'est-à-dire pas de rotation entre l'uppercut au corps et le crochet, sinon il n'y a pas de force. Donc c'est 1, revenir, 2, ok? Il doit y avoir rotation du buste entre les deux. Ok? Donc on est sur la 7e étape. Il faut s'accrocher, là techniquement ça commence à être plus corsé. Hein. Allez, 1, le jab. On y va tranquillement. 2, jab. 3, jab, cross. 4, on décale, on met le cross. 5, on rajoute son crochet de l'avant. 6, on bloque de l'arrière, on envoie un uppercut au corps avec le bras avant. 6. On peut mettre un petit temps pendant le blocage. On ne peut pas aller trop vite, on bloque un coup, ça prend plus de temps parfois que ce qu'on croit. 7, on remonte avec le bras avant à la tête en crochet. 7. On se refait le 7. Souffle. Allez, 7. Souffle bien. Plus c'est long, plus on se concentre sur sa respiration pour récupérer. Allez, 1, le jab. 2, jab. 3, jab, cross. 4, décale, cross. 5. C'est le crochet de l'avant. 6, blocage, uppercut au corps. 6. 7. On remonte en crochet à la tête. Allez, on refait le 7. 7. Fais pas la bûche, on reste relâché. 2. Parfois, quand on est en train de réfléchir, c'est là où il y a les défauts qui ressortent et on va se recrisper à nouveau. 3. 4. 5. 6. 7. Relâchez, on récupère bien. 7. 7. On recommence. 1. 2. 3. 4. Et on récupère. Bon, on arrive
à la touche finale de cet enchaînement, la dernière étape. Donc, on va rajouter deux mouvements, une esquive, une frappe. J'espère que tu as réussi à suivre, tu t'es bien accroché, mais ça vaut le coup puisque tu commences d'un truc très basique comme jab jab cross, ce qui a utilisé d'ailleurs énormément Ngannou contre Fury. C'est basique, ça marche, ok? Et derrière, on construit, ok? Alors, jab, jab, cross, décalage, cross, crochet, blocage du bras arrière, ici en, à l'ancienne, uppercut au corps, crochet. De là, je reviens de mon crochet, je passe en rotative et j'envoie mon crochet de l'arrière. Ce qui est important, c'est de là, de revenir du crochet comme si on esquivait et ensuite on passe en dessous, ok? On va faire aussi en une seule étape, pour pas que ça fasse 40 étapes, on va faire en une seule étape l'esquive et le crochet de la fin. Allez, un, le jab. Deux, jab, jab. Ah, ah. Trois, jab, jab, cross. Ah, ah. Quatre, on décale, on met le cross. Ah, ah, ah. Cinq, on rajoute son crochet du bras avant. Ah, 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 ah. Six, le blocage de l'arrière avec l'uppercut de l'avant encore. Six. Ah, ah. Bug, c'est pas grave. 7, on remonte au visage en crochet de l'avant. 7. 8, je reviens comme si je faisais une esquive latérale et j'enchaîne avec une rotative et un crochet de l'arrière. 8. 8. On refait le 8. Allez, je me mets sous l'autre angle pour que tu vois bien tout. 8. Comme pendant l'échauffement, pendant sa rotative, on essaie de ne pas avoir les gants qui descendent, garder collé à la mâchoire. Et 1, 2, 3, 4, 5, on reste relâché, on ne fait pas la bûche. 6, c'était le blocage et l'uppercut au cas où tu aurais été perdu. Normalement, tu dois savoir ce qui vient après. Crochet du bras avant au visage. 7. 8. Rotative, crochet arrière. 8. 8. Souffle bien, on est relâché, ça part du visage, ça revient au visage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on met la rotative et le crochet de l'arrière. 8, n'oublie pas de revenir de son crochet. On part pas directement en esquive après le crochet, on revient en exagérant le retour. 1, 2, et on récupère. Ouh ! Bah écoute, alors avant de te dire plus de choses, juste un truc qui peut être super sympa pour toi. Si tu kiffes cette séance mais que tu as des problèmes de connexion, tu peux télécharger la séance pour la consulter hors ligne depuis mon application mobile, le Jedi Club. Tu as le lien bien sûr dans la description. Alors comment c'était cette séance? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as réussi à suivre? Dis-moi ça en commentaire. J'ai toujours besoin d'avoir un retour, comme ça je peux ajuster les séances que je propose sur YouTube. Soit c'était trop dur, soit c'était génial. Est-ce que tu as eu des difficultés sur certaines choses et tout? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais peut-être que je fasse, que je fais pas ou que je fais pas assez souvent? Voilà. Donc mets-moi, balance-moi ça en commentaire, comme ça moi je reçois l'info et derrière je peux la prendre en compte pour que toi, tu kiffes un max ce que je te propose sur YouTube. Aussi, je voulais te dire, je t'en ai parlé rapidement, mais que j'ai mon application, le Jedi Club. Si tu kiffes ce genre de séance et que tu n'as pas envie de tourner en rond dans tes entraînements, tu as envie de progresser, donc de t'entraîner en solo,
soit parce que tu n'as pas de club, soit parce que tu as un club mais tu en veux plus, il faut absolument que tu testes le Jedi Club. Tu as 7 jours d'essai gratuit avec aucun risque. Tu verras, il y a des centaines d'entraînements, que ce soit au sac de frappe, en shadow, en boxe anglaise, en boxe pied-point. Il y a de la prépa physique, il y a de la mobilité, il y a même des infos aussi sur la nutrition. Tu as du Wing Chun aussi, donc voilà, il y a plein de choses, des kettlebells, il y a vraiment plein de choses. Et je ne fais qu'en ajouter quasiment toutes les semaines. Donc voilà, les choses sont organisées aussi en programme pour que tu puisses suivre une progression logique de séance en séance plutôt que de faire des séances un peu au hasard comme ça. Là, il y a une programmation qui va te garantir un vrai résultat, une vraie progression.